this Duke King Julius style. Salutations les viewers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre 7ème épisode sur Arcane Veil. La dernière fois, nous avions réussi à accomplir plutôt pas mal de petites missions au sein du village où nous sommes, au bastion. On avait réussi à sauver un chat, d'ailleurs, il faudra peut-être aller le récupérer parce qu'on l'a laissé avec son ancienne propriétaire la dernière fois. Nous avons aussi réussi à avoir notre petit sésame pour partir au sud. Donc on va y aller. Je vais baisser un peu le son de la musique. Voilà, ça me semble pas mal. Et justement, on a une petite quête à aller valider auprès du pépère. Donc complété, j'ai le laissé passer et compagnie. Donc on va pouvoir aller dans le sud. Et justement, là, va falloir aller trouver un mari perdu. Les poumons d'escargot, à savoir si c'est pas là-bas qu'on va les choper. Parce que pour le moment, on n'a pas trouvé de marée. Donc faut qu'on trouve le marais. Il faut aussi payer la dette. Donc on verra si on ira voir Maximus qu'on a vu la dernière fois justement en train de s'entraîner. Et les explosifs, il faut aller choper les gobelins qui sont près d'une grotte, les tuer, aller dans la grotte et tout faire péter. Et peut-être que là on aura de quoi justement faire le bâton pour les feux d'artifice. Et puis voilà, il faut aussi qu'on aille choper les graines. Alors j'avais pas de place la dernière fois pour les récupérer. Et à savoir si c'est pas possible de les livrer à Hélice. Et je sais pas du tout où on va la trouver. Donc mieux vaut avoir les graines sur soi. Comme ça si jamais on la croise. Là les feux d'artifice on les a installés mais on peut pas les faire sauter pour le moment. Faut aussi trouver Vortel. Si je veux le retour. Je dois trouver la créature à apporter à sa griffe à Luther dans le bastion. Le roi a ordonné la condamnation à mort de Vortel. Faut qu'on le trouve. Il doit sûrement être paumé dans le sud, peut-être aussi. Et il y a la fille du roi à retrouver. Donc avant de partir, je vais aller au shop de notre chère dame. Je ne sais pas du tout comment elle s'appelle. J'aurais tendance à dire Mary, mais non, c'est Penny. Et les graines, elles sont là. Et a priori, j'ai toujours pas de place sur moi, les graines. Si j'ai pas de place, ça va être un peu embêtant. En plus, je viens de récupérer un marteau, là. Coquillage écrasé. Peut-être que j'ai déposé des trucs par chez moi, alors. Ou peut-être que je fasse fondre mon minerai de bronze. J'en ai trois morceaux. Avec un peu de chance, il en faut peut-être trois pour faire un lingot. Donc utiliser plaque de bronze. Ah putain, il en faut deux. Donc je peux le lancer. Barre de fer, je sais pas du tout combien j'en ai. Ouais, je vais la laisser se faire. On viendra la récupérer plus tard. Je vais aller déposer les trucs dans une caisse. Il y a une caisse pas loin en bas. Donc on va passer ici. Et je vais déposer. Alors attendez. Si j'équipe mon petit marteau, mon petit bouclier, surtout ça me fait une place. Donc là, je peux peut-être choper les graines. Ah, merci bien. Ok, donc on va peut-être pouvoir déposer les graines. Peut-être prendre mon épée aussi. Et nous, c'est par là qu'on doit aller. Ah, donc fonçons, fonçons. Il faut que j'arrive à passer entre les arbres. Donc, nous te parlons, mon cher Thomas. Enquête terminée. Hâte-toi là. Elle voulait de laisser passer. Wilderness et training. Montrez à Thomas votre laisser passer pour la vie sauvage et la formation. Wow, tu en as vraiment un. Je ne sais pas trop ce que vous avez dû faire pour que le commandant Luther vous attribue un laissez-passer pour les régions sauvages. Mais quoi que vous ayez fait, vous le méritez. Je vous laisse passer, mais attention, le désert est un endroit mortel. Soyez sur vos gardes à tout moment. Ok, merci chef. De toute façon, pour le moment, je crois que c'est le seul endroit où on peut aller. Nature sauvage, ok. C'est quoi ça? Je veux aller le cueillir, les gemmes. Plante pomme de terre découverte. Ok, et je peux tout prendre. Alors, je suppose que là, ça va être encore des pommes de terre. Il y a même des petits cochons. Je
Je sais pas si les cochons on pourrait les capturer après pour les ramener par chez nous. Là c'est Triss. Alors je vais pas prendre sa quête pour le moment. On va attendre. Là, il y a un champignon qui est vivant. Et on a pris un petit level. Donc la soif augmente de 3, la faim augmente de 3, là c'est la santé. L'armure augmente de 1. La chance augmente. Peut-être augmenter mon armure, je ferai la chance et l'esquive après. Et ça, on peut la ramasser après derrière. J'espère que ça m'a bien rajouté l'esquive. Donc là-bas, il y aurait encore un ennemi. Enfin, un champignon du moins. Là, on va peut-être pouvoir aller pêcher. Je sais pas si ce serait les marées. D'ailleurs, je peux peut-être faire un tour sur la map. La map, s'il vous plaît. Alors déjà j'ai le journal de quête. Moi c'est la map que je veux. Ok, pour le moment on voit pas grand chose. On voit pas grand chose. Et on en a découvert déjà pas mal. Là je me demande si... Non là se trouve quand on remonte c'est le patelin du roi. Je sais pas si plus loin... Ouais voilà notre île. L'île de nos parents est là-bas. Ok. Bah écoutez, on verra pour le marais plus tard. Équipement. Hop. On va choper ça. Minerai de fer ajouté à l'inventaire. Ok. Ok, ok. C'est pas, c'est dommage quand on passe là, j'ai pas d'informations sur ce qui traîne par terre. Je sais pas du tout ce que c'est. Et c'est fort dommage. Par contre, j'ai faim. Donc, je peux peut-être manger. Santé. Ça rend de la santé. Mais la santé, j'en ai pas besoin. Il y a une espèce de dinosaure. Je sais pas si c'est gentil ou pas. Il faudrait que je mange un truc. Qui ne rende pas forcément de santé. Une petite bière. Allez, j'aime. Boire. Ok, on aime la birasse. Donc, croque ajouté. Par contre, peut-être reprendre ça. Là, je me fais bouffer par un lézard. Et là, il y a un crâne que je peux forcément pas ramasser, quoi. Par contre, ouais, encore une fois, ça m'a pas hyper bien nourri, votre truc. Vu que je suis blessé vite fait, on va manger ça. Ouais, comme ça, je peux ramasser mon crâne. Alors, je vais peut-être pas cueillir toutes les patates qui traînent aussi. Sinon, j'ai pas fini. On veut surtout essayer de valider au moins une quête, ce serait pas mal. Ah, je me fais attaquer aussi par les libellules, les jeunes. Ah, vous êtes à fond, là. Ah, putain, ça va faire beaucoup de ressources qui vont pop. J'ai pas mal de champis, là. Faudrait que je fasse des bolinettes pour me faire des soupes. C'est peut-être tout ce que j'aurais dû faire avant de partir. Si je trouve un atelier, je fais des bols. Et après, je me fais des soupes de champignons. Ah, c'est chiant avec le minerai de bronze. Là, faudrait que j'en tape au moins un pour refaire aussi un bloc. Je sais pas ce qu'on va faire. Ouais, franchement, ça, je vais le laisser par terre. Je le ramasserai plus tard. J'ai pas le choix. Il y a du dino. Il y a pas mal de minerais au-dessus. Il y a pas mal de minerais par là aussi. Là, je peux pas passer. Et je pense que ça, c'est... Attendez, les jeunes. Ça, c'est sûrement les escargots qu'on doit taper. On va taper ça et on va aller taper... notre cher... Ouais, pareil, j'ai peut-être pas pouvoir ramasser la ressource. Ouais, hache augmentée, merci. Viens par là, l'escargot. Il a l'air de se laisser faire. Je sais pas si ça, ce serait son poumon. Pas assez de place dans l'inventaire. Vous êtes bien, bien chiant.
Ok, je vais manger le concombre. C'est chiant, c'est que je peux pas faire E directement pour le ramasser. Là, il y aurait une ferme. Peut-être éviter de taper. Alors, je peux peut-être juste couper l'arbre. Alors, par contre, ce que je vais faire pour pas perdre 3 ans, c'est mettre ça là. Et à la rigueur, dégager mes petites gourdes. Pour mettre ça à la place. Comme ça, je peux faire 6 et couper l'arbre. Ok. On va couper la souche. Voilà, comme ça là, je peux passer. Ah, il y a un vilain. On fouillera le corps plus tard, il va y avoir tel. Ouais, on lui fait des bons dégâts là. Alors j'ai toujours mes popos au cas où. Alors, on esquive. Là on se fait avoir. Là on le manque. Hop. On passe par derrière et on tape le pépère. Vortel vaincu, on va pouvoir ramener le bandana au roi. Et là, si je peux consommer un truc. Bah, le gâteau, les jeunes. Hein. Bah, comme ça, ça me fait de la place. Là, l'épée, je peux pas la prendre. Je peux pas ramasser ça non plus. Et je suis en train de fouiller le pépère, vous fouillez le corps, mais vous ne trouvez rien. Je pense que j'ai dû trouver ça d'abord. Ah, donc ça c'est objet de quête, merci, on va trier tout ceci. Et ben on est bien embêté. On est bien embêté parce qu'on a un tas de bazar sur nous. À moins que je détruise le coquillage pour en faire de la poudre. Ah, je sais pas du tout si je peux rentrer, c'est fermé, ok. Il va... Allez-vous-en les oiseaux. Donc ouais, il faudrait que je ramasse tout ça. Donc là, on a trouvé Vortel. Et l'escargot m'avait rien filé. Là, je pense que c'est un boss à aller taper. La grenouille, elle est pas agressive. Vas-y, là, le... Vas-y, tape. Ça m'a refilé du coquillage. Avec tes poumons d'escargot là. Je sais pas si je mets la map. Si je mets la mini-map. Parce qu'ils me disent que là, ouais, nature sauvage. Je sais pas si là ce serait les marais, ces deux grosses taches. Ou peut-être plus bas là. Ça a l'air bien verdâtre. Ça a l'air d'être bien verdâtre les jeunes. De toute façon, on est là pour explorer, hein. Ok. Ah, c'est une donneuse de quête. On a trouvé Bernadette. Vas-y, fais-moi une roulade là. Ouais, merci. Là, il y aura encore un corps. Pas assez d'espace dans l'inventaire. Là, il y aurait un portail. Et pas de place dans l'inventaire. Là, c'est pas un... Non, c'est des petits. Là, on peut circuler par ici. Là, il y a du gentil et tout. Après, les quêtes, là, je vais pas forcément les prendre parce qu'on n'a pas fini celle du dessus. Donc, on va se calmer un peu la réco. Je demande ce que ça débloque. Je sais pas si ce serait genre la clé de la maison. Ce serait génial, les jeunes. Mais là, je suis bloqué. Ouais, donc faut que je dépose des trucs par chez moi. D'ailleurs, j'ai un coffre. J'aurais dû le poser près de la maison qu'on peut potentiellement acheter. Et je sais pas si en équipant ma torche. Ah, je vais d'abord la réparer. Ok, donc elle est cassée, mais faut que je la répare. Ouais, je sais pas si. Je pourrais justement. Potentiellement déposer mon coffre là-bas. Et déposer du matos dedans. Histoire d'être tranquille. Donc là, j'aimerais bien découvrir le tour de la map. Ah, le village gobelin. Ah, le village gobelin, il est là. Peut-être qu'il y a là à l'arc, les jeunes.
Et malheureusement, j'ai dû déposer mon bouclier au sol. Sinon, la torche, je la dégage, hein. Ouais, laissez tomber. Ah, j'ai tapé le sanglier. Ah, elle a fui direct, la petite Bernadette. Ok, ça c'est fait. Ah, par contre, ta viande de bœuf. Laissez tomber. Et je vais bien ramasser mes flèches surtout. Ah, merci. Par contre, je vais peut-être pas mettre des flèches enflammées. Là. Ok. Donnez-moi mes flèches. Voilà, tout ça c'est fait. Putain, j'en ai jeté plein par là. Ah non, j'ai cru que j'étais déjà rentré dans le village gobelin, mais en fait non. Voilà. Ramassons tout ceci. Alors, j'aurais pas tapé l'écureuil. Ah, surtout que là, je suis en train de claquer des flèches en fer. Et je préfère prendre celle en bronze. Ok. Là, il y a un gobelin. Ouais. Combat à l'épée. Par contre, ah, merci. On va y aller un peu comme ça. Balai ajouté à l'inventaire. Je crois que c'était une jambe de bois. Donc ton balai, t'es bien gentil, mais on va le laisser tomber. J'aime bien ramasser mes flèches. J'ai pas l'impression que ça me... Ouais, ça me l'air splitty. Ça me l'air fou là, plutôt que de me les rajouter directement ici. C'est relou. Que ça les empile pas directement au-dessus, quoi. 5. On va taper ça. Et après, on est reparti. Ah, merci bien. Là, il y aura un autre morceau juste en dessous. Vu que le fer, je risque d'en avoir besoin si je veux faire des armures supérieures. Là, ce qui serait bien, c'est qu'on se fasse le pantalon, là. Je crois que c'est armure en bronze, ouais. Donc si pour le faire, après, on en a besoin pour nous faire une armure niveau supérieur, autant le faire. Donc là, il y a beaucoup de gobelins en bas, mais je préfère zioter par ici, déjà. Il y a un truc... pas ce que c'est comme fruit, betterave. Ok, et je peux pas ramasser les betteraves. Ouais, les citrouilles. Je peux pas les ramasser non plus. Je sais pas si. Ah non, mais j'ai pas de citrouille sur moi au final. Ah, il y aurait pas un feu de camp, les jeunes. Là, ça se trouve, c'est de l'or. Serait-ce de l'or. Alors, ce qui serait bien aussi, c'est que mon bouclier soit en raccourci en bas. Merci. Ah, donc, on va faire 5. Ah, ça a du minerai d'or. Hein. Voilà, et là, la grotte, je peux pas rentrer dedans. Au niveau de la map, ça donne quoi? Après que je rebine ma touche aussi, ce serait pas mal. Donc, on est tout au bout là-haut, et le village gobelin, il serait là. Je sais pas si c'est ici qu'il va falloir faire péter un truc. Il faudra descendre plus bas aussi pour voir s'il n'y a pas des marées. Et ça, je peux pas le ramasser malheureusement. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra repasser par là tantôt. Je me tâte à aller faire un tour au village pour vider mes poches d'abord. Parce que là, on va perdre trop de temps. Ok, Mur, on peut peut-être en profiter pour valider une quête. Quête terminée. Que voulez-vous? Donc là, on lui a filé le bandanage. Je suis venu réclamer la prime pour le hors-la-loi Vortel. Vous avez réussi à tuer cet ennuyeux hors-la-loi? Je suis impressionné. La récompense est à vous. Je suis sûr que je parle pour moi
et pour le roi en vous remerciant pour votre service. Ok, bah comme ça c'est fait. Moi là je peux ramasser ma plaque de bronze. Ça on en fera plus tard. Ici. Putain, ils m'ont ramassé ma... réparation, ça non. Et ça j'ai des os donc autant le faire. Voilà, comme ça c'est fait. Attendre que ça finisse de se réparer. Et puis je vais aller dormir. On est reparti pour le petit jour après. Ok les jeunes, je pourrais faire mon plastron. Donc je vais le faire direct. Là je pourrais faire un bouclier en fer. Ce sera peut-être mieux que celui que j'ai. Comme le poignard en fer. Mais j'aimerais bien aller ramasser d'abord... Ouais, le poignard en fer, déjà, je l'ai. J'aimerais bien aller ramasser l'arme pour voir ce que ça donne. Par contre, le bouclier en fer, c'est nouveau. Donc, on va se faire ça également. Et ce sera peut-être bien mieux. Ouais, 8 de santé, 7 d'armure, 2,65. Et là... Ouais, c'est beaucoup plus. Parfait. Ok, nous voilà avec un joli torse. Comme ça c'est fait, on sera peut-être plus résistant. Mes flèches là je vais les foutre ici parce que ça me prend la place pour rien. Ah c'est relou que ça se reslope pas correctement. J'ai écrasé mes coquillages aussi. Et j'ai de la place pour la suite. Ok, je viens de choper mon nouveau bouclier. Ah donc on va l'équiper, ce sera bien mieux. Et celui-là va falloir que j'essaie de le revendre. Va falloir que j'essaie de le revendre. Et j'ai mis à réparer mon épée histoire d'être tranquille. Ok, mais on est reparti. On est reparti, je vais passer par ici. On peut m'arrêter pour ça. Enfin, quoi que de l'autre côté, je sais pas si j'ai des trucs à ramasser. Ouais, merci bien les jeunes. Donc, on était passé par là au début. Là, il y a Mister Petit Ptérodactyle ou je sais pas quoi, là. Donc, on va foncer par ici. Là, il y a pas mal de minerais. Ah, putain, je crois que j'ai zappé la brouette en haut. J'ai croisé une brouette tout à l'heure. J'ai même équipé mon épée pour justement creuser. Donc, elle file une quête. Faut que je retrouve le chemin par lequel je suis passé. Ah, bah, elle est juste là. Donc, on va faire 5 déjà pour commencer. Là, merci bien. Et on va faire 4. Ok, bon, bah c'était pas ici. Ah ouais, ça je l'ai croisé tout à l'heure. Miel ajouté à votre inventaire, ouais ok. Il y en a pas mal ici. Des ruches, donc on va faire gaffe à ce qu'on fait. On va retourner en direction du village gobelin. Donc lui, fouillez mais vous ne trouvez rien. Ok. Et les autres corps de tout à l'heure. Donc elle est là. Ouais, ça je l'ai fait tomber. Je sais pas ce que c'était. Mur de lune ajouté à l'inventaire. Je sais pas ce que c'est, mais ça va être nouveau. Ça on va le ramasser au passage. Ah, je sais pas si je me promène avec mon chat. S'il se fait attaquer et s'il va être blessé, quoi. Là, ça me fait que des coquillages, quoi. Je sais pas où ils sont, leurs. Donc là, il y a ça. Fabriquer objet, nouvelle recette. Ok, alors je sais pas ce que c'est. Donc je veux bien voir. Lance en bois. Je dis pas que c'est une lance en bois que j'ai ramassé. C'est Space, ça ressemble à une épée, votre machin. Anneau de mariage ajouté à l'inventaire. Je crois que c'est un objet de quête. Hein. Une alliance tachée de sang. Ouais, ça se trouve, c'est son mari, là. Vous fouillez le corps, mais vous ne trouvez rien. Alors, ouais. Bah, on se chope pas. Alors, j'ai refabriqué des flèches. Alors, si tu pouvais mourir. Enfoiré. Ah, bande de salopio. Est-ce qu'il y aura un truc au bout, là? Ah, il y a mon oiseau. Et là, il y a des petits dinos. Bon, bah, le vautour, on va attendre qu'il revienne. Vas-y,
tape le là. Alors lui il est mouru. Ah, ça va tout filer, donc lui ça va être fini. On va peut-être rapporter l'anneau à sa petite dame. Ah, des cuisses de grenouille. Là le champi je préfère attendre, c'est sûrement un boss. On va essayer de passer par ici. Je sais pas si c'est du marais, mais et là il y a pas mal d'abeilles. Ah bah les marais. Ok, alors si je peux. Ah là ils vont me lâcher les poumons. Et encore. Ah ouais, tu veux bien fouiller le buisson là. Ah, il y a pas mal de minerais les jeunes. Bah écoutez, je tape tout ça et on va retourner chasser de l'escargot. Hein. Et s'occuper des gobelins bien sûr. Ok. Ah, il y a un escargot là. Ok, il m'a empoisonné. Ah, merci bien. Putain, il y en a qu'un qui m'a filé des poumons pour le moment. J'ai l'impression que je suis en train de me faire mal pour rien. Bon, des escargots ajoute à l'inventaire. Ok. Chance d'esquive. Et coup critique. Bon, on a dit qu'on prendrait ça. Comme ça, c'est fait. Ah, c'est quoi? Concombre, j'en ai plus. Alors, je veux bien le prendre. Je sais plus combien il me fallait de poumons d'escargot. Je crois que c'est 3. Hein. Donc, compléter. L'anneau de mariage, c'est fait. En cours, il manque encore 2 poumons d'escargot. Régler la dette de Loki. Les graines. Expédier les semences. L'anneau familial. Délice, machin, récompense. Faut que je la trouve. Elle vit dans le désert. Ok. Donc faut que je trouve le désert. Ok, alors pour le moment, faut que je retourne voir les gobelins. Et que je chope mon dernier poumon. Ah, ça c'est validé. Enfin, c'est validé, c'est un bien grand mot. C'est surtout terminé. Tes poumons là. 2 poumons d'escargot, vous déconnez ou quoi? J'en ai chopé 3. Et ils me les mettent pas. Ah là, non, c'est de la bave d'escargot. Ok. Mais par contre, les poumons, ils me les mettent pas non plus ici. Hein. Donc tes poumons. Peut-être qu'après on peut s'en servir pour autre chose. Ok, poumons d'escargot, j'en ai 2. Ok, je confonds avec la bave. Heureusement qu'on m'a vérifié. Donc là j'ai ramassé de la bave. Ah, écoutez, je vais choper mon dernier poumon et on est cassos. Ok, là il y aurait une grotte. Je sais pas si c'est pour les gobelins. Faudrait que j'arrive à faire le tour. Sachant que là il y a un portail aussi. Et que je suis bloqué. Ok, les jeunes, il y a une maison. Avec un alabaster. C'est fermé. Ah putain, je peux pas descendre. Ok, bon ben, je vais chercher mes derniers escargots dans le coin. Hein. Ok, mur. J'ai pas d'escargot, je suis obligé de lui causer pour voir. Qu'est-ce que tu veux, bon sang? J'aimerais bien passer de l'autre côté. Sortez d'ici, sortez de mon marais. Si vous ne voulez pas d'ennui. Sérieux, Mano? Qu'est-ce que tu veux, bon sang? Et si je te pique? Arrêtez ça. Ouais, j'ai pas de prendre ta pelle. Non, mais moi, je veux passer par là, là. Regardez, ils sont tous en bas. Ok, mur. J'ai trouvé. Déjà, j'ai ramassé les œufs de libellule. C'est le truc qu'on avait récupéré ou vu tout à l'heure. Donc, on n'avait pas pu prendre. Faudrait que j'en trouve les autres.
Et là, faut que je creuse. Il n'y a rien sous la pelle. Franchement, je sais pas si ce serait une pelle qu'il y a au village ou si ça est ailleurs, mais bon. Pas les pelles, mais les brouettes. Ok, ça c'est pris. Et faut que j'arrive à trouver encore un escargot sans quitter les marais. Ok, les génies me disent que c'est fermé à clé, qu'il me faut une clé pour la porte, mais j'ai cru voir un escargot qui allait repop. Putain, ça se trouve, j'ai vu un escargot qui avait juste de ce côté. C'est la misère, hein. C'est la misère, quoi. Et si j'arrive pas à passer en dessous, à moins que la clé soit planquée quelque part, mais je vois pas où. J'ai besoin de bois. Je vais embarquer ça. Mais ça va être une tannée s'il faut trouver la clé. Et si c'est le vieux et qu'il veut pas la donner, il faudrait que j'arrive à rentrer chez lui pour voir. À dormir là vu que la nuit tombe. Ouais, c'est fermé. Ok, mur. J'en ai marre d'attendre. Je suis en train d'essayer d'attirer. Oh, un joli petit escargot. Par contre, voilà le gâchis de flèches. Je sais pas si d'ici je pourrais lui mettre des coups d'épée, non. On va essayer de tendre l'arc au maximum pour. Ah, j'espère qu'il va me filer un poumon. Hein. Ah putain, même pas. Alors déjà, ouais, par contre. Là, je suis limité au niveau des. Attends, on va faire ça comme ça. Hein, pour le moment, je vais les mettre là. Et là, malheureusement, je peux même pas aller récupérer ce qu'il y a à l'autre bout. Et j'en ai gâché tout un tas. Écoute, on va aller voir le gobelin en attendant. Et puis, on verra si ça repop après. Parce que là, je vais attendre je sais pas combien de temps et ça servira à rien. Ok, jeune, fouille les cornes, mais on trouve rien. Ah, comme ça c'est réglé. Ah, le village gobelin. Non, c'était pas là. Alors, ça devait pas être ici, mais au moins c'est fait. Peut-être que ça va nous y reconduire. Utiliser, récupérer tout. Merci bien. Les caisses, je vais pas me prendre la tête à les taper. Enfile-moi ça. Oh, ton village gobelin. Je sais pas si je peux repiquer par ici. Ah, sinon, faut que j'affiche la map. Je sais pas si ça va être indiqué, hein. Là, il y a la maison. On les a découverts à pas très loin. Là, le marais, mais on est bloqué. On est bloqué. Donc, le village gobelin, il est là. Donc, faut que je repique sur la. Bah, par là, à droite. Je crois que la nuit va tomber. Ah, ouais, j'ai ma jambe de bois là. Ah, bah, ils ont repop. Et j'ai déjà plus de place. Ah, j'ai déjà plus de place. Ok, on a pris un petit niveau, on a dit qu'on prendrait ça. Ah, leurs rames, on peut pas toutes les récupérer. Donc c'est parti. Ah, il y a notre cher gobelin sorcier. Là, il y a une brouette. Ok. Ouais, bon, il n'y aura rien en dessous. J'espère qu'il faut bien. On va creuser là où on l'a vu et pas autour. Sinon, je vais être dans le caca, les jeunes. Parce que ça se trouve, je suis peut-être même passé à côté, hein. Donc ouais, ça fallait que je le récupère, mais je vais pas avoir de place, c'est parfait. Là, la grotte, on peut toujours pas y aller.
Donc on va s'aventurer chez les gobelins. Ah putain, les concombres, on peut. J'arrive pas à choper de graines de concombre. Si là, il y en aurait une. Mais j'ai pas de place. Un balai. Ça n'a pas l'air mortel. Franchement, le balai, je vais peut-être le jeter, hein. Comme ma viande. La hutte, on peut rien en faire. Ouais, pick-up, j'ai besoin de bois. Ouais, merci. Ah bah on est à la mine, on va essayer de tout faire péter les jeunes. Attends, on va se faire de l'or. Ouais. Ok, parfait. Oh, c'est un pantalon, ils m'ont piqué mon futal, non? Ok, j'ai eu peur pendant un moment, mais c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Donc, ça a l'air d'être pas mal du tout. Mais je préfère pas m'en servir tout de suite. Allez, mourir. Ok, ça c'est fait. Je sais pas si... Ah merde! Ah, au lieu de faire utiliser, j'ai mis un coup dedans, ça l'a fait péter direct. Il n'y avait pas un autre là, normalement. Il est parti, il a fui ici. Allez, à moi les sous-sous. Il a mis un petit coup critique. Il n'y a pas un truc que je pouvais pick up. Je sais pas s'il y aurait d'autres trucs à faire péter. Et je vais aller choper le minerai après. Yes. Ils prennent des coups mais ils meurent pas. Ben après on va essayer d'aller valider tout ça. Alors ça je sais pas ce que c'est. Ouais, ça a juste peut-être filé des... Ouais ça file pas grand chose quoi. Et là, par là, on peut circuler. On peut déconner ou quoi? Couteau de lancer, laissez tomber. Ouais, ramenez-moi mon bouclier. Je sais pas d'où il sort votre couteau de lancer. Peut-être ce que j'ai ramassé tout à l'heure au final. Et peut-être le garder comparé à ça. Ouais, prends le couteau de lancer. Ah, merci bien. Je sais pas si... si je l'équipe, si je peux vraiment leur jeter dessus, quoi. Alors, par contre, lui, il me jette des bombes. Ok. Merci bien, ça je prends. Si j'avais un truc à faire dans la grotte, ça je suppose que ça va être de l'or, du soufre. Ouais, soufre ajouté à l'inventaire. Bon, j'ai pas tous les péter. Je sais pas si les gros blocs ça nous apportait quelque chose de plus ou pas. Ok. Bon, je vais taper celui-ci et on va passer à la suite, les jeunes. Ok, les jeunes. Il y a robot Megatron là qu'on a trouvé. Il y a des tonneaux à côté de lui. Il faudrait peut-être que. On les fasse péter. On va utiliser les jeunes. Oh, ça abuse. Oh, ça abuse. J'ai l'impression de leur faire bien mal.
Ok. Allez, on dash, on t'esquive. Et ça, c'est fait. Goblin Brains. Ok. Commandeur. Gob, 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 vaincu. Ok, nickel. D'abord, on n'aura pas chômé les jeunes. Donc là, tout ça, c'est pété. Pick up. Fabriquer cet objet à la table d'apothicaire. Nouvelle recette d'artisanat. Ok, continuez. Par contre, je peux pas la prendre. Ah, les champis pas assez. Ok. Je pensais que tout à l'heure je l'avais ramassé, mais. Et je crois qu'il faut faire péter tous les fûts. Donc, il me semblait qu'il y avait un. Ah non, je peux même pas passer par là. Ah, écoutez, voilà, hein, je pense que. Faire péter tout ça. Voilà. Là, la bombasse, je peux pas la prendre. Et je peux pas monter plus haut. Donc, on va aller valider nos petites quêtes. Je sais pas ce que c'est, ça. Poudre d'os. Si je fais de la poudre d'os, je pourrais pas la ramasser. Par contre, coquille écrasée. Je vais tout faire, ça va me libérer de l'espace. Potion d'armure. Je vais m'en faire deux. Et coquille écrasée, c'est en cours. Il y a de l'engrais et compagnie. Bah écoutez, on va attendre que tout ça se fasse. Et nous, en attendant, on va se promener. Hein. C'est de la viande, du gigot. Il n'y a rien à l'intérieur, ok. Je sais pas ce que je suis en train de ramasser. Là-dedans, je peux pas y aller. Là, il y aurait des tonneaux. Ça vient de les faire péter également. Voilà. Ok, fabriquer machin d'apothicaire. La table d'apothicaire. Ah, il n'y a rien à l'intérieur. Mets-moi les sachets ici, je sais pas ce que c'est. Je sais point du tout, je sais pas si c'est de l'engrais ou de la poudre. Et pareil, ah bah si la bombe là, j'ai pu la prendre. Alors, je peux peut-être aller ramasser l'autre à moins que ce soit déjà fait. Là, il y a des steaks. Et puis ma Z, c'est bon, c'est tout. Hein. Lui, il a rien à me filer d'autre. Le champi, je peux toujours pas le prendre. Et j'ai pas soif et j'ai pas faim. Alors en attendant, on peut peut-être s'osioter. Les quêtes à compléter. Explosifs. J'ai détruit les explosifs fabriqués par les gobelins. Je dois en informer Windmoon. Donc ça c'est fait. On va choper de l'or. Bah, je pense que c'est bon. On va s'arrêter là. Hein. Je vais aller valider au moins ces quêtes-là. Et les autres, on continuera plus tard. Et celle-là, pour le désert, peut-être que j'aille dans une autre direction. Peut-être à l'ouest ou un truc du genre. La fille, je sais pas si ce sera la quête finale ou pas. Ou... Et là, les bâtons, je sais pas où on va les trouver. Hein. Ok, mur. Je vais me fabriquer deux petites bombes, histoire de... J'ai pu ramasser la poudre à canon. Donc, on va se faire deux petites bombasses. Et je vais peut-être les mettre à la place de ça. Et puis, on testera en chemin, si possible. Ok, jeune la baraque a complètement disparu. J'ai aussi ramassé les champignons mystère bleu là. C'est des champignons snow, je sais pas quoi. Alors, enfin, je peux pas cueillir celui-ci. Bah, écoutez, je suis parti. Et on va valider notre petite quête. Il me semblait qu'il y avait marqué pick up ou je sais pas quoi il y a deux secondes. On va le faire disparaître. Et là, c'est pas des sous les jeunes. Ouais, il y a bien marqué pick-up. Hein. Ok. Putain, fallait cliquer dans le vide plus haut pour récupérer les thunes. Ah, écoutez, c'est fait. Je tape le minerai, je suis rentré. Oh, dur, je viens de tuer les poules. Et elles ont aimé ça. Ok, les jeunes. Bah, écoutez, voilà. Je viens de repasser chez la sorcière. Alors j'ai validé, elle m'a fait une potion qui soigne beaucoup. Alors je pensais que mon record tournait encore, mais en fait non, je l'ai coupé en sortant de la mine
Pour arriver jusqu'ici, j'ai validé l'autre quête auprès de l'autre, j'ai une récompense. Donc je ne sais pas si elle a été filmée, j'ai eu l'anneau. Alors ça, c'est la récompense de la petite dame à qui on a rendu l'anneau. C'était au père de son cher et tendre mari qui est mort. Donc elle nous l'a offert en récompense. Je crois que c'est Thomas qu'on a sauvé dans la mine, on allait le voir. Il nous a filé bah, justement l'épée que j'ai équipée, le couperet des gobelins, qui est plus puissant que mon épée que j'avais là, justement. On voit le comparatif. Et il m'a filé l'anneau. L'anneau, on le testera plus tard, puisque là, ça me... J'ai plus de vitesse d'attaque et de déplacement. Alors je pense qu'en combat, ça peut être pas mal. Et quand on se promène contre les petites créatures... Ouais, enfin, quoique l'un dans l'autre, pour les boss ou les trucs comme ça. Là, pour se promener... Pour se promener, celui-là, ça peut être bien. Vitesse de déplacement pour aller plus vite d'un point A à un point B. Et après, celui-là, pour en combat. À voir. Faut vraiment que je me débarrasse d'un tas de vieux trucs que j'ai sur moi, comme le pantalon. Faut qu'on retourne à la citadelle du roi pour voir les marchands qu'il y a là-bas, pour leur vendre des armures. Elle m'a filé une nouvelle quête. La potion qu'elle a préparée, c'est pour son cher Jacob, qui, fut un temps, lui a dit... qu'il l'aimait fortement et en fait il voulait juste apprendre ses potions et il s'est barré ouvrir une boutique dans le désert donc faut vite qu'on aille livrer sa nouvelle recette. Et justement vu qu'on doit rencontrer Hélice, j'aurais mieux fait de rester à l'intérieur au final vu qu'il fait tout noir encore. Et vu qu'on doit rencontrer Hélice, eh ben on devra livrer les graines là-bas et donc on fera tout ça la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous aura plu, c'est ici qu'on va se laisser, si tel est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et si vous voulez pas louper la suite de nos aventures, eh bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Sur ce, avec mon superbe look de guerrier, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde et survivez bien, on dirait même pas que j'ai un torse. Excellent! Oh donc il me faut simplement quelqu'un, enlève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts! Allez, allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil, un authentique héros! Vite! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau!